Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Tout simplement, on va tester une nouvelle moving zone avec une vraie fan zone, c'est-à-dire avec une vraie zone qui fait des dégâts et qui est pas random, un petit peu comme celle qu'on a pu connaître avant. C'est BFC qui l'a créé. BFC, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de team de clan et ils m'ont chaleureusement prêté de leur temps, on va pas se mentir. Et ils m'ont montré un petit peu les coulisses de la map que je vais pouvoir vous montrer juste après avec la map. Le code est bien évidemment en description. Mais n'oubliez pas de les suivre sur Twitter, tout ça. Pourquoi sur Twitter? Parce qu'en gros, ils font très souvent des mises à jour sur la map pour qu'elle soit vraiment au top du top. Comme ça, vous aurez le dernier code avec la dernière mage, avec sans les bugs. Parce que là, le code que je vais vous mettre, c'est le code actuel. Donc, il y a des petits bugs qui vont sûrement être corrigés. Donc, suivez-le sur leur Twitter, ce sera beaucoup plus simple. N'hésitez pas à me suivre aussi, Cocteau. Voilà, voilà. Attends, mais les gars, mais le code créateur, j'ai oublié d'en parler, mais bien sûr, le code créateur Cocteau, les gars, soutenir un créateur, c'est au QTO, ça fait toujours plaisir. Comme je l'ai déjà montré, ça permet de financer tout le matos. Bon, ça, les gars, il y en a pour 40 balles, hein. Je vous rassure, le plus gros reste à venir, mais je l'ai pas encore là, il est en train de se faire livrer ou en cours d'achat, parce que je vous pas vous mentir, ça coûte très cher. Donc, merci à ceux qui prennent le temps de mettre le code créateur Cocteau. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, c'est pour financer le nouveau setup cuisine. Ça coûte assez cher, je peux vous mentir, donc merci à ceux qui le mettent. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent faire des moving zones, j'arriverai peut-être à en faire de temps en temps sur Twitch. Donc la chaîne Twitch, elle est en description. Donc si tu veux venir faire des moving zones avec moi, et la chaîne Twitch. Et puis voilà, un maximum de pouces bleus, d'abonnements. C'était Cocteau, bon visionnage. Cocteau, c'est ton ami. Soutiens-le dans la boutique et il sera ravi. Appuie sur touche N. N. Ouais, en volant, ça va. Oh, ces mecs. Ah ouais, mais ouais. ça tu vois, genre le mec ils peuvent pas ça. What? Comment t'as fait ça? De quoi? Genre en gros, là où on spawn, c'est quoi? C'est sous la roche là? Ouais, c'est sous le sol. Ah ouais, et là du coup, il y a le générateur d'objets là. Ici là. Ouais, mais il y a pas grand chose du pays. D'accord, ok. Donc en gros, là c'est là où on va tous spawner dans les box là. Ouais, c'est ça exactement. D'ailleurs, j'ai pas compris, il y a un truc. Genre, t'as des espèces de fake constructions à des endroits. Genre, sur un côté gauche. Peut-être pas sur cette version-là, mais sur l'autre version, il y avait ça. Fake construction, c'est-à-dire. Des constructions, genre, tu vois, un peu comme ça, là, tu vois, un peu comme ça. Là. Mais sur le côté. Peut-être c'était sur l'autre version. Ah, on a mis du build au sol pour faire comme s'il y avait déjà eu. D'accord. Enfin, il était tout, ouais, du coup, ouais, donc soit tu spawns tout en... En vrai, tout en haut, t'es vraiment bien, du coup. Ouais, voilà. Tout en haut, t'as le high. Après, le stuff qui est en haut, il est pas abusé. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Ouais, voilà. Du coup, tu mets un stuff moyen en haut. Tu mets un stuff moyen en haut, mais du coup, t'as quand même la hauteur. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc, c'est plutôt cool. Après, il y a un stuff full doré caché quelque part. Il y a un stuff full gris. Ouais. Et après, tous les autres stuff, c'est des stuff à peu près. Ouais, j'ai une question. T'as pas peur que ce soit un peu trop serré, là? Genre, entre toutes les boxes? En fait, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui préfèrent faire des maps larges. Ouais. Où c'est plus tranquille, où tout le monde spawn en bas et ouais. Ça joue tranquillement. Mais nous, on préfère faire des maps close range où ça travaille vraiment les field game, en mode où ça part en couille de tous les côtés. D'accord. Ça fait de tous les côtés. Et là, tu travailles vraiment ta vision de jeu. Et... Ouais. Moi, je préfère ce format-là. Tu vois, je comprends. Après, c'est genre ça, c'est chacun qui fait comme il veut, tu vois. Mais ouais, exactement. Je comprenais pas. Et du coup, alors les zones, t'as. Alors pourquoi vous avez surélevé les trucs? C'est plus intéressant de faire ça, de les surélever? Non, pas du tout, c'est juste... Pour mieux voir. Pour mieux les voir, ouais. Mais sinon, en fait, la zone que tu la mets là, au-dessus de la map, quoi, c'est pareil, en fait, tu vois son tracé de la même manière. Si je comprends bien, t'as deux zones qui vont push en même temps, en fait. Là, ça fait l'intervalle des deux zones, quoi. Ouais. Donc, là, t'as les deux zones qui vont... En gros, t'as mis le même intervalle, sauf qu'une que t'as mis plus grande et l'autre plus petite. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, celle-là, c'est juste du visuel, c'est qu'il y a dedans. Ouais, ouais. Parce que maintenant, il n'y a qu'une zone, elle se termine ici. Attends, je vais lancer une game. Vas-y, lance une game, comme ça, on pourra voir. On va pas se tuer, on va aller jusqu'au bout. Ouais, d'accord. C'était ce que les gens se plaignaient, qu'ils comprenaient pas trop et... Je t'avoue que la première fois que j'ai lancé, j'ai fait oh, what the fuck. Après, franchement, une fois que tu fais 3-4 games, tu comprends vite fait qu'il faut se mettre à droite et enfin voilà. Exact. Donc là, le stuff, tu vois, j'ai un stuff qui est, ouais, passable. On voit une petite faille, une petite slurp de ça. Putain, y'a un petit bug là, j'étais en train de bosser sur un truc et je l'ai laissé. Du coup, toi, tu prends des dégâts là, non? Non, je prends 0 dégâts là. Moi je suis en train de prendre des dégâts, des trucs, du coup je vais peut-être mourir. Hein. Bah ça va. J'ai survécu. Attends, tiens, prends ça. Du coup t'as la vraie zone qui nous pêche derrière. Tiens, prends une sphère, tu veux. Mais merci. Du coup là, c'est la zone qu'on a vue tout à l'heure qui pêchait. Et donc devant là,
t'as la deuxième zone qu'on a vue, quoi. Mais qui voilà. Sert, en vrai, qui sert à, tu vois. C'est juste pour faire joli, quoi, pour dire, voilà, ouais, il y a une zone. Mais derrière, par contre, t'as une zone qui te fait ouais. Des dégâts. Là, ouais, c'est sûr, ouais, j'ai compris ça. Elle fait mal, hein, elle fait 50 et l'autre derrière, elle fait... Et par contre, après, l'inconvénient, enfin, l'inconvénient, ça, je pense que dans la prochaine match, tu pourras patch, mais t'as encore les vieilles zones avec le bleu et le orange, entre guillemets. Comment ça, dans les prochaines matchs? Dans la prochaine match, ils vont sûrement patch ou refaire des trucs. Ouais, ouais. Parce que pour l'instant, c'est même pas des moving zones, hein. C'est des zones juste qui se ferment. Ouais, c'est des zones. T'as dû tester de ton côté, non? Ouais, ouais, avec Fateux, tu vois qui c'est, on voulait révolutionner les maps. on a rien fait du tout, on s'est cassé la tête, ça nous a pris la tête. C'est hyper dur, hein. C'est moi-même que je fais ça depuis. Je fais que des maps moving zones depuis 3 mois. Ouais. Et l'objet, quand il est sorti, on a passé 6 heures dessus. On a réussi à sortir un truc à peu près convenable, mais au final l'objet qui s'est sorti... Limité, en fait, t'es limité, t'es vite, en fait t'es super vite limité. Hein. Voilà, tu vois, tu peux plus que des cercles. Ouais, des cercles en fait, c'est ça. Donc en vrai t'es limité en 2-2 quoi. Si tu veux faire des trucs plus intéressants, tu dois mettre plusieurs cercles. Ouais. Mais le problème de ça, c'est que les gens ils y comprennent rien. Bah ouais, c'est ça en fait. Ouais. Parce qu'en fait, nous on avait vu que c'était impossible, c'est en fait tu pouvais pas faire mieux. Genre t'es obligé... Si tu veux faire un truc bien, c'est un... Ouais, tu vois, genre quand t'arrives là, t'es en mode oula, tu vois, genre tu comprends pas trop, tu vois. Là encore, ça va, regarde, on est pas sorti de notre cercle. Ouais, voilà, mais tu te dis, putain, c'est bizarre. Et après, tu te dis, du coup, attends, mais. Ah, mais ça se termine comme ça maintenant? Maintenant, ça se termine comme ça, ouais. Ah, ouais, mais c'est beaucoup mieux du coup là. Ouais, là, c'est. Avant, c'était. T'avais les deux zones qui se croisaient. Ah, ouais, mais du coup, là, t'as fait que ça fait qu'une seule zone maintenant. Voilà, avant, j'avais une troisième zone si tu veux, qui était au milieu. D'accord. Et t'as mis des trappes maintenant pour pas que. Bah au final ça sert à rien, je vais l'enlever. Je pense que je vais l'enlever, c'était juste pour tester un truc mais... D'accord. C'est de la merde en vrai. Ouais, tu voulais que les gens meurent pour peut-être qu'elle apparaisse. Tu voulais que les gens meurent à la fin plutôt qu'au début pour que la game elle commence à se tente. Ouais. Mais ça marche pas là, vraiment. D'accord. Bah ouais hein. En vrai s'il y a des questions dans le chat, dites-moi. Mais ouais sinon c'est pas mal. Mais ouais c'est beaucoup mieux comme ça du coup parce que je t'avoue que quand on a testé tout à l'heure bah c'est un peu compliqué à... Ouais de ouf. Bah je vais essayer de finir ça et si je t'envoie le code le plus possible pour toi tu peux jouer. Tu pourras jouer pour mieux. Merci. Parfait. Bah merci Cocteau hein, et on se capte. Vas-y y'a pas de problème. Je t'envoie un message après. Y'a pas de problème. Vas-y à plus. Okay. Impeccable, du coup les gars, vous pouvez rejoindre normalement, j'ai mis en public, vous pouvez tous rejoindre là. Du coup c'est parti, début du jeu, c'est parti, donc là normalement il y a une explosion qui va se faire. Et on va pouvoir lancer directement la partie, donc si on peut pas, voilà, l'explosion a eu lieu. Impeccable, l'explosion, hop là on ouvre le premier coffre. Oh RPG et tout. J'ai trop bien, ah j'aime pas trop les double Veritas. Mais non il y a pas le coffre qui a été ouvert là. Oh, c'est chaud. 35 fois de camp, c'est peut-être un peu trop, non? Là, 5 fois de camp, je crois que c'est un peu trop, hein. Ah, j'ai un bazooka, faut pas que j'hésite à utiliser en vrai. J'aurais pu me tuer 10 fois. Hop là, prends-toi là. Et là, ça t'a pas calmé mon coco. Hop là, il est mort. Ah, ça rend fou l'arbre, genre. Un mec qui met la pression comme ça c'est trop chiant. Chope le kill en plus là-dessus mec. Hop là, on chope un kill là-dessus. Moi j'ai un peu de camp les gars. J'ai encore un kill mais what the fuck mec. J'ai 9 kills.
Ça va jouer au foot camp. C'est un petit peu dommage là-dessus, c'est que ça joue peut-être un peu trop au foot camp. Et voilà, en vrai, elle est vraiment. Et franchement, les gars, elle est fun, on est d'accord, non? Genre, j'aime bien, hein. Genre, peut-être l'inconvénient, mais ça, ils peuvent rien faire, c'est que bah, la zone, en fait, on peut pas faire des zones qui recroisent et tout, parce que ça resserre que. Du coup, c'est vrai que ça va se finir un peu au foot camp. Franchement, elle est bien fun. En tout cas, ça... bah, donnez votre avis, les gars, dans le chat. Si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas d'aller vous abonner à leur Twitter bien évidemment parce que bon, si en fait les codes ils vont forcément les mettre à jour hyper souvent comme vous avez vu ils travaillent H24 dessus, donc dès qu'ils peuvent trouver un petit tip, une petite astuce, bah c'est impeccable, franchement elle est pas mal hein. En tout cas merci à vous, pouce bleu, abonnement, c'était Cocteau, et n'oubliez pas d'aller me suivre sur Twitch les gars.